Pensée du jour numéro 4. Souvenez-vous de temps en temps de ceci. Je suis le seul responsable de la façon dont je choisis d'interpréter ce que je vois. Je suis le seul responsable de la façon dont je choisis d'interpréter ce que je vois. Je suis responsable de la manière dont j'interprète ce que je vois. C'est évident. Personne d'autre que moi n'est responsable de ma façon d'interpréter ce que je vois. Exemple, vous êtes à une réunion de travail et vous vous adressez à vos collègues. Souvent, vous remarquez que l'un d'eux bâille. L'interprétation de ce fait ne dépend que de vous. Si vous manquez de confiance en vous, vous pouvez instantanément choisir d'interpréter ce bâillement comme l'expression du peu d'estime que cette personne a pour vous. Cela va peut-être vous rendre nerveux. Vous allez peut-être vous dire « je ne vaux rien, je ne suis pas assez bon ». Vous interprétez le bâillement comme une attaque dirigée contre vous. Vous devenez alors victime de votre propre interprétation de la réalité. Ne sachant rien de la personne ayant bâillé, vous la laissez déterminer vos sentiments. Alors souvenez-vous souvent de ceci. La réalité et ma conception de la réalité ne sont pas identiques. Il existe d'autres manières de voir les choses et de les interpréter. Si vous vous sentez bien, que vous avez une bonne image de vous-même et confiance en vous, vous pouvez choisir d'interpréter le même fait différemment. Par exemple, vous pourriez vous dire « peut-être que cette personne a passé une nuit blanche et c'est formidable qu'elle soit présente parmi nous malgré tout. » Ou encore « quelqu'un bâille, peut-être faudrait-il oxygéner la pièce. » Vous voyez, vous pouvez effectuer différents choix. Prenez conscience que chacun de vos choix indique la façon dont vous vous estimez. Chacun de vos choix est une évaluation de vous-même. Alors, pensez souvent à ceci. Je suis seul responsable de la façon dont je choisis d'interpréter ce que je vois.